Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie à expliquer. Vous allez voir un effet de triple prédiction, très sympa à réaliser, vous allez voir la méthode est vraiment originale, sans que ça soit dur à réaliser. Bref, comme d'habitude, la démo, et ensuite, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes et normalement je vais avoir besoin de 3 spectateurs. Bon, vu que je n'ai pas 3 spectateurs, je vais jouer le rôle des spectateurs, mais normalement c'est 3 spectateurs qui vont réaliser les différentes opérations. Alors pour ce faire, ici le jeu de cartes posé sur la table et on invite un premier spectateur tout simplement à couper le jeu, on va dire un premier tiers par exemple. Donc imaginons qu'il coupe ici, peu importe, et vous êtes d'accord que la carte ici sur laquelle il est tombé, personne ne peut la connaître. Hein, donc ce qu'on va faire, on va marquer la coupe juste comme ceci avec une carte quelconque, ici le roi de carreau, et on complète par dessus, on verra tout à l'heure les cartes qui auront été choisies. Donc un deuxième spectateur fait la même chose, imaginons ici, et de la même façon on se sert d'une carte quelconque pour marquer la coupe, ici avec la dame, et une dernière fois, imaginons ici, et on prend la dernière ici, le 5 de trèfle, on coupe, et du coup si on regarde maintenant, on a bien nos 3 cartes pour qui ont marqué les coupes. Donc si la première, on vérifie ici une première carte, une deuxième ici, et la troisième qui est juste ici, d'accord? Bon, voilà, comme ceci, le jeu n'en a plus besoin. On va juste regarder sur quelle carte les spectateurs ont coupé. Donc on a la dame de carreau, le 7 de trèfle et le 4 de cœur. Et là, vous dites où tu veux en venir, hein, parce que finalement, oui, d'accord, on a choisi 3 cartes. Mais en fait, depuis le début, là, sur la table, j'ai une petite boîte. Et oui, elle n'est pas tout à fait vide en réalité. Si on ouvre la boîte, à l'intérieur, il y a vraiment, hein, il n'y a rien d'autre. Il y a 3 cartes rouges. Alors, ce qui est fou, 1, 2 et 3 cartes. Si on les regarde, la première, eh bien, c'est un 4 de cœur. La seconde, c'est bien le 7 de trèfle. Et la troisième, c'est la dame de carreau. Exactement les cartes qui ont été choisies par nos 3 spectateurs respectifs. Et bien sûr, tout est examinable, il n'y a absolument rien à voir. C'est pas mal, non? Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. Donc vous l'avez vu, une triple prédiction qui pourra être personnalisable, bien entendu. Comme d'hab, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, n'oubliez pas que vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à me lâcher un gros pouce bleu et également un petit commentaire, n'oubliez pas que je les lis tous. Pour ceux qui voudraient me poser des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram et j'y répondrai avec plaisir. Et également mon école de magie www.magistreaming.fr, la seule école de magie en ligne gratuite sur internet. Vous allez pouvoir apprendre les bases de la magie des cartes ainsi que la magie des pièces, le tour accompagné de tours expliqués, et également retrouver une plateforme de VOD pour avoir des tours plus élaborés en passant par la création de gimmicks et bien plus encore. Et bien sûr, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans la magie et qui désiraient me soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium sur YouTube, le lien est en description, afin d'avoir accès à du contenu exclusif comme des tours exclusifs, des vidéos exclusives, ainsi que des posts et des emojis, et la possibilité de participer tous les 15 du mois à un concours réservé uniquement aux membres. Bref, je remercie tous ceux qui me soutiennent via la souscription et les autres qui regardent toutes les semaines mes vidéos. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je mets en ligne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !